Putain, c'est pas possible. Putain, c'est pas possible, on est tombé à 3896.71 points. Ouais, Roger, faut que tu vendes, faut que tu vendes. On est en train de chuter, on est en train de chuter. Putain, c'est la plus grosse perte boursière de l'histoire de la critique masquée. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de L'Outsider de Christophe Baratier. Donc L'Outsider, c'est un thriller financier, donc on commence à en avoir pas mal, des films qui traitent de la finance. Il y a eu le Wall Street, il y a eu Margin Call de Sandor, J.C. Sandor je crois, et il y a eu évidemment cette année The Big Short. Donc ils sont tous les quatre, incluant L'Outsider, sont des films assez différents. L'Outsider c'est vraiment un thriller. On va suivre ce personnage principal qui est Jérôme Kerviel, qui va jouer de plus en plus, prendre de plus en plus de risques dans ses paris, avec de plus en plus de risques de se faire gauler si les choses tournent mal pour lui. C'est assez intéressant parce que on suit vraiment ce que vit le personnage, mais on se concentre pas du tout sur le mécanisme de la finance. Et au final, c'est plutôt intéressant parce que là où dans The Big Short, ils essayaient de nous faire comprendre plein de trucs, et j'avoue que même en sortant du film, tu comprends, enfin, t'as vraiment du mal à comprendre, à digérer tout ce qui t'envoie dans la gueule, mais après, c'est hyper instructif, c'est ça qui est intéressant. Là, vraiment, ils s'en foutent. Ils te font des explications assez rapides sur des trucs, ça, tu sens que c'est hyper grossier et tu maîtrises pas tout, du tout de quoi ils parlent, et même vraiment pas du tout. Mais pour le coup, ça te dérange pas parce que tu comprends les enjeux des personnages, quoi. Les enjeux sont clairs, les risques sont clairs, mais le pourquoi des choses l'est pas vraiment, et donc au final on sent que voilà, c'est plus un... Ils ont pas voulu s'embarrasser d'une explication des mécanismes financiers, ils ont voulu rester dans ce que vivaient les personnages à des moments. Donc quand ils font des grosses pertes, tu vois, c'est des trucs rouges, des chiffres, tu vois les chiffres en gros, voilà, des courbes qui tombent. C'est très visuel, t'as beaucoup de... Enfin voilà, il y a beaucoup de films, ils filment beaucoup les animations sur les écrans, genre de trucs, pour qu'on comprenne et qu'on vive les trucs, mais on ne comprend pas réellement ce qu'ils foutent, quoi. Enfin, moi qui connais pas bien la finance, je vois pas ce qu'ils achètent, je vois pas ce qu'ils vendent, je comprends pas pourquoi quand y a, le truc baisse, lui il vend et il gagne de la thune, machin. Pouf, ça j'ai rien compris, mais c'est même pas expliqué, donc c'est juste... Mais malgré ça, le film est suivable, on suit le film sans trop de dérangements, parce que voilà, c'est ça qui est bien foutu, j'ai bien aimé ce côté-là, parce que le milieu de la finance c'est toujours hyper intéressant, c'est hyper intriguant parce que ça régule notre vie, et à la fois on comprend pas vraiment ce qui se passe, et là de réussir à nous faire comprendre ce que le mec vit sans qu'on comprenne tout, c'est bien foutu, honnêtement c'était vraiment bien foutu. Alors après moi je vais surtout parler comédiens, je les trouve tous, mais vraiment tous excellents, ils ont vraiment, Arthur Dupont dans Kerviel est vraiment, c'est pas le plus intéressant, mais il est vraiment bon. Il campe très bien ce personnage, il lui ressemble pas vraiment physiquement, mais il arrive à, enfin au final, il finit par lui ressembler d'une certaine manière. Il manque un poil de relief sur certains traits de caractère, je pense, mais je trouve que son évolution dans le film passe plutôt bien. Les personnages qui l'entourent sont, je trouve, mieux campés, mais voilà, c'est toujours compliqué, parce que quand t'as un personnage principal qui évolue à ce point, je trouve qu'il y a plus de... Ah, t'as plus de moyens d'être moins efficace que sur des personnages qui ont moins de choses à jouer, donc qui sont dans une ligne directrice un peu plus claire, comme François-Xavier Demaison, qui joue un peu pour le boss lourdeau, mais qui est à la fois hyper charismatique. Il y a tous ses collègues qui font des blagues foireuses, il y a plusieurs personnalités qui sont bien campées. Soren Prévost qui joue genre un autre boss qui est assez rigolo, qui est genre un gros loser, mais bon, vu qu'il a un bon poste, c'est pas vraiment un loser, mais c'est genre un loser social, quoi. Donc tous les personnages fonctionnent vraiment pas mal, donc tous les comédiens sont vraiment bons, enfin franchement le casting est excellent. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Au niveau de la manière dont le film se déroule, j'ai trouvé que tout était vraiment bien foutu. Le début, il est un peu grillé, voilà. Le début du film, vous savez très bien vers où il va aller. Et d'ailleurs, c'est étrange qu'ils finissent pas là-dessus. Enfin, c'est un espèce de truc qui arrive à trois quarts. Bon, pourquoi pas, mais bon, ça se sent... Enfin, là, pour le coup, c'est pas très finaux, la réalisation sur ce coup-là. Mais juste sur la petite séquence du début, mais graphiquement, c'est vrai que le plan de fin de l'ouverture du film est hyper beau. Donc ça valait le coup rien que pour ça. Je trouve que le film démarre bien, les trois quarts fonctionnent bien. Il y a un coup de mou vers les trois quarts, un coup de mou qui est un peu étrange, parce que d'un coup, il y a une espèce de... Il y a un changement abrupt vers quelque chose d'assez sombre pendant une petite période, et c'est un peu étrange, et à un moment, voilà, il enchaîne des espèces de fondus enchaînés, une petite séquence clippée, enfin... La fin du film est le dernier quart, enfin, le trois quarts du film est un peu moyen, il perd vraiment en énergie, par contre, la fin redevient vraiment intéressant, et les séquences de fin sont hyper bien gérées, la mise en scène est vraiment bien foutue, il arrive vraiment à faire gérer le suspense entre deux endroits, des révélations à plusieurs moments, le fait que des gens apprennent des trucs à un endroit, et ils transmettent l'information à un autre endroit et tout, et qu'on apprend ça au même moment, c'est hyper bien foutu. Je trouve que, voilà, la mise en scène est assez dynamique,
Franchement, ça, il y a un tempo hyper rythmé. T'as pas le temps de t'emmerder. La première séquence dans la journée du trader, là, tu t'en prends plein la gueule. Putain, tu te dis que les mecs ont une vie de malade. Tu te demandes comment ils arrivent à tenir. Et franchement, ça, c'est hyper bien. Tu ressens hyper bien ça. Je trouve que tu ressens hyper bien les choses. C'est une belle mise en scène là-dessus. Tu ressens vraiment ce que vivent les personnages. Et c'est ça qui est c'est une bonne force de mise en scène. Donc Baratier, bravo pour ça. Après, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est mal géré. C'est son côté, l'amitié qu'il a avec Thomas Koeman, l'acteur belge, qui joue genre son pote qu'il rencontre au début. On comprend pas trop au moment où c'est mis sur le tapis le fait qu'ils sont potes, on n'y croit pas trop parce que on les a jamais vus être potes, on l'a même vu désister son pote à un moment clé. Donc c'est un peu étrange qu'ils utilisent ce ressort un moment, parce que ça a mal été amené, je trouve. Une fois que tu t'es dit bon bah ok, faut considérer qu'ils sont amis, ça passe, mais c'est vrai que tout le moment où t'apprends, tu te dis, mais en fait ils sont potes, enfin, ils ont parlé une fois au début, après il n'y a plus jamais parlé, et genre c'est son meilleur pote dans la boîte. Bon, ça c'est un peu mal géré. Toute l'affaire amoureuse, elle aurait pu ne pas être là, ça ne m'aurait pas dérangé, mais bon, vu que c'est peut-être une histoire vraie, il y a peut-être des trucs vrais. Et je trouve qu'il y a vraiment des belles séquences iconiques, la séquence de l'église par exemple est super, franchement, ça fait un petit choc quoi, la séquence de l'église. Franchement, vraiment bonne surprise. J'ai vraiment passé un moment agréable, sauf, je vous dis, aux trois quarts du film où j'ai commencé à me lasser un peu, mais la fin m'a remis dedans. Donc écoutez, peu de points négatifs, je vais lui mettre la jolie note, la jolie note de 4 masques sur 5. Bravo à Baratier, franchement, j'avais pas trop aimé La Guerre des Boutons, et là, franchement, bonne surprise. Je m'attendais à quelque chose de bien, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Franchement, ça m'a bien tenu, c'était prenant, c'était moderne, dynamique, rythmé, joli, bien joué, enfin, beaucoup de points positifs. Donc 4 sur 5 au niveau des masques, écoutez, c'est un beau score. Voilà, on se retrouve d'ici un prochain film, et d'ici la bonne toile.